m'attendais pas du tout. Donc voilà, on se fait plaisir ici au Paname Set Cross. Super. Bah, bonne continuation à toi. Bah, merci beaucoup. Tu sens bien la suite ou pas? Bah écoute, ouais, ça va, parce que là du coup j'ai le premier temps. Il y a des endroits où j'ai mal fait, je pense que je peux l'améliorer, donc assez confiant. Je connais pas le temps du deuxième, mais je suis le seul en 32, alors j'ai au moins 4 dixièmes j'imagine. Je peux l'améliorer, donc pour le temps des qualifications ça va. Skatcross en inline parce qu'il y avait de la bonne, il y avait vraiment des bonnes compétitrices, donc c'était un bon challenge. Et donc c'était les essais chronométrés, ça s'est super bien passé. Et puis bah, en quad, super aussi, on est passé plein de fois, donc ça permet de prendre de l'expérience. Le départ, je le sens bien. La première courbe que vous voyez là, premier plan 1, j'essaie de passer plus rapide pour finir devant après. Après, ça joue au départ quoi. Ça joue au départ et il faut vraiment cartoucher après sur le reste, il faut être endurant. Je me suis donné à fond et je pense que ça s'est bien donné des fruits. Donc ouais, franchement le parcours il est super et j'espère que l'année prochaine il n'y aura pas le même, mais en tout cas un autre parcours qui se fait au même lieu. Beau skatepark et belle compétition. Ok, donc que du bon pour la suite pour toi alors. Que du bon. Super, merci. Voilà, de rien. Surprise dans cette compétition et beaucoup de plaisir aussi, c'était vraiment, il y avait du niveau, le parcours était très technique, du coup il fallait vraiment vraiment se donner à fond sur toutes les courses quoi, donc vraiment plein de surprises, je suis vraiment content du résultat et voilà, on espère qu'il y aura d'autres événements comme ça pour continuer à faire vivre ce sport. Tu regrettes pas d'être venu de loin pour faire la compétition? Pas du tout, en plus mon ami Anthony devait venir et ça s'est pas fait, du coup ben voilà, je suis content de représenter le sud à Paris. Bah super, bah, voilà. Je te laisse savourer ta victoire et puis bah à plus tard. Merci, au revoir.